prié pour la réanimer. Je l'ai senti partir dans mes bras. Je n'ai pas tué Martha. J'aimerais voir Monsieur Johnson. Fred Johnson. Il avait une prothèse à la droite. Je le tenais presque. Où est-il le malade qui a assassiné ma femme? Il est dans la rue. L'enquête est finie. Je n'abandonnerai pas. Jamais. Moi non plus. Il a une prothèse à la place du bras. Il s'appelle Fred Johnson. Il est parti. Quelqu'un doit lui expédier un colis. Oui, celui des 11h. Il a pris la 401 qui part de Miami pour arriver à 19h à Savannah, en Géorgie. À Savannah. Merci. Joey. Maggie, je pense que l'un de vos étudiants veut vous faire une blague. Comme c'est original. J'ai reçu un appel pour vous d'un certain Homer supérieur. Maggie? Oh, mon Dieu. Est-ce que c'est bon de t'entendre, petit frère? J'ai eu peur. Je pensais que t'aurais oublié. Comment fais-tu que j'oublie ce cher Homer supérieur qui rendait les parents complètement fous? Faut pas que je reste trop longtemps. L'homme qui a tué Hélène, je l'ai vu. Où ça? À Miami. Je sais qu'il se dirige vers le nord et j'ai un plan pour le retrouver, mais... J'ai besoin d'argent. J'ai plus rien. Si je veux que ça marche, il faut que je me loue une chambre d'hôtel avec un téléphone pour l'amener à me dire où il se cache. Dis-moi juste combien il te faudrait. $200. Si tu veux plus, je... Non, t'en fais pas, ça suffira largement. Et tu me les envoies en liquide et ne donne ton nom sous aucun prétexte. Qu'est-ce que ça m'a manqué de t'entendre me donner des ordres? Oui. Et moi, il n'y a pas moyen que je te contacte? Un endroit où je puisse te joindre? Non, c'est bien trop dangereux. Il ne laissera jamais tomber. Qui ça? Gérard. Je suis là, essaye de ne pas me perdre. En photo, il peut pas t'échapper. Oui, merci beaucoup, chef. Ça me remonte le moral. Il est à Miami? Ça fait un bout de temps que je te pratique. Et je sais par expérience que quand t'as une idée dans la tête, tu peux être pire qu'une mule. Attends, ça veut dire que tu me demandes d'abandonner l'enquête? Si je te le demande, tu vas m'envoyer balader? Oui. Non, d'accord, c'était juste pour être sûr. Dans les affaires de ce genre,
Entre la pression des fédéraux, les journalistes qui nous laminent régulièrement, plus le légendaire sens de l'humour de tes coéquipiers, tu vas finir par voir des Kimball à tous les coins de rue et on va te mettre une grande chemise qui s'attache dans le dos. Non, j'ai la tête sur les épaules. Bien. Oui, mais je te jure que je l'aurai. Et il ira jouer du bistouri au fond d'une prison. Paris $5 ? 10. En espèces. D'accord. Et vous pouvez me les plier, s'il vous plaît ? Supérieur, comme le lac ? Non, le lac supérieur, c'est dans le Michigan. Vous ne connaissez pas. Et si je vous dis supérieur, comme dans intelligence supérieure ? Oui, d'accord, d'accord. Merci infiniment. Au revoir et bonne journée. Ça ne marche pas. Je croyais que vous preniez les chèques. Chèque de société ou mandat postaux. Pas de chèque personnel. Monsieur, j'ai besoin de cet argent. J'ai un compte. Vous pouvez vérifier. La banque vous le paiera. Je l'ai postdaté comme ça quand j'aurai ma paye demain. En fait, c'est après-demain. Le compte sera réapprovisionné. Je ne peux rien faire. On ne prend pas les chèques personnels. Alors, 100, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 dollars. 1000 dollars, vous êtes sûr que... Madame Supérieure vous envoie un mandat de 1000 dollars, monsieur Supérieur. Elle m'a demandé de vous dire que vous avez oublié votre carte d'identité et que vous pouvez la joindre à ce numéro à 18h tous les soirs. Voilà, monsieur. Au revoir et bonne journée. Suivant, s'il vous plaît. Comment ? Monsieur, vous avez reçu un choc à la tête. Il faut qu'on sache si vous vous souvenez de votre nom de famille. Vous avez dit Richard. Richard comment, monsieur ? Monsieur ? Doucement, mon gars. Reste allongé, on s'occupe de tout. Qui êtes-vous ? Tout va bien. Non, 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 non. Restez tranquille, on va vous emmener à l'hôpital. Non, j'ai un rendez-vous. Je suis pressé. C'est pour ça que je courais, c'est parce que... Restez là. Monsieur, vous avez été renversé par une voiture. Il faut passer une radio. Vous avez une blessure au crâne et peut-être plusieurs côtes fracturées. Écoutez, par sécurité, vaut mieux qu'Atoubi vous examine. Je viens, comme ça je prends votre déposition sur place et dès qu'ils ont fini les examens, je vous emmène là où vous deviez aller. D'accord ? Alors, votre nom ? J'ai perdu mon portefeuille. Bon, d'accord, vous avez quand même un nom. Sam. Sam Richard. Où est-ce que vous habitez ? Vous pourriez faire ça tout à l'heure. Vous auriez dû accepter de rester en observation. Au-dessus de 4 points de suture, il y a des risques de traumatisme crânien. J'ai 3 gamins. Je passe ma vie à l'hosto, je sais de quoi je parle. Bon. Merci pour tout, monsieur. Walken, Ben Walken. Un conseil, surveillez les symptômes, genre nausées, tête qui tourne, ces trucs-là. Je vous ai dit qu'après, je vous emmènerai à votre rendez-vous. Comme ça, on complète la déposition. Merci. Ben, faites gaffe à la tête. D'après le conducteur, vous aviez l'air de poursuivre quelqu'un. Non, j'étais en retard. C'est pas une raison pour traverser sans regarder, hein. On a beau être dans le sud, il y a des chauffards, comme partout. Vous voulez que je monte un peu la clim ? Oui, il fait chaud. Passez-moi un coup de fil quand vous serez installé à l'hôtel. Si on a retrouvé votre portefeuille ou si on a besoin d'infos supplémentaires. Très bien. Merci encore. Pas de quoi. Oh, j'oubliais. Bienvenue à Savannah.
Willis. Tu vas me rendre, mon fric. Non. Écoute, j'ai pas envie d'appeler les flics. J'ai trop besoin de ce pognon. Je l'ai plus. Comment ça, tu l'as plus? Tu l'as dépensé, t'as tout claqué. Il y a un problème? Non, tout va bien. Qui est-ce? Elle est malade. Elle ne sait pas ce que j'ai fait, je vous en prie, lui dites pas. C'est bon, je vous rendrai vos $1,000, mais je veux pas qu'elle soit au courant. Alors tu n'as qu'à me rendre le fric. Je viens de vous le dire, je l'ai plus, laissez-moi le temps. Gary, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'arrive tout de suite, ma puce. C'est bon, on va s'arranger. Attendez-moi ici, je reviens. Qu'est-ce que tu veux, ma puce? Tu veux que je t'aide à te lever? Bien, allez. Attention, une, deux et trois. C'est bien. Tu y es presque. Encore un petit effort. Voilà. Doucement. Les veaux de pas, de comprimés par jour. Parkinson? Oui, comment le savez-vous? J'ai vu le flacon de les veaux de pas au-dessus du frigo. Et vous bossez dans le milieu médical? Ça m'est arrivé. Dans ce cas, vous savez sûrement que sans ces médicaments... Elle a fait une crise ce matin. Vraiment grave. Je bosse, mais dans l'intérim. Pas de couverture sociale. On bosse, mais on n'a pas le droit aux soins. On bosse, mais on n'a pas le droit de bouffer. Et ce matin, j'avais $10 en poche. Ça, c'est la ruine. Faut être milliardaire pour pouvoir se soigner maintenant. Ce pognon, c'était ma survie. Une chambre d'hôtel, quelque chose à manger. Je vous jure que je suis un mec honnête. J'ai jamais volé personne. J'aimerais vous aider. Vous pourriez peut-être rester quelques jours à la maison. Quoi? Je vous héberge, au moins en dépannage. Le temps de rembourser. Vous avez besoin d'un endroit où manger ou dormir. Dès que j'ai ma paye, je vous rends tout au dollar près, mais je vous en prie, ne dites rien à la police. Je vous en supplie. Elle n'a que moi au monde. Comment vous avez rencontré mon mari? Eh bien, c'est cassé, ça. On a discuté en faisant la queue à la caisse de compensation. Il n'avait nulle part où aller. Et il faut qu'il trouve du boulot pour pouvoir se payer un appart. Comme il avait un peu d'argent et qu'on est à sec. C'est pas une mauvaise idée, mais t'aurais pu m'en parler avant. Cadeau de mon dernier patron, je réparais des imprimantes. Je passais ma vie sur la route. La boîte paie l'abonnement jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est pour la boîte vocale, tu peux configurer le message. Chambre d'hôte avec téléphone, combien ça vous coûte? Beaucoup plus cher que prévu. Les médicaments ne font plus effet? Non, de moins en moins. C'est très difficile à expliquer. Ma tête va bien, elle donne toujours les mêmes ordres à mon corps. Seulement c'est... Comme conduire une voiture avec le frein à main bloqué. Oui. Sam a travaillé dans le secteur médical, il s'y connaît. Alors il a dû te dire que ça ne va pas s'améliorer. Non, arrête de dire ça, ma puce, t'en sais rien. Il croit encore au miracle et au Père Noël. Ça arrive quand on a les moyens ou les bonnes relations. J'essaie de lui faire comprendre. Vous savez, il y a de nouveaux traitements. Pour le moment, on en est encore au stade expérimental. Il y a de bons résultats. On a même vu des rémissions complètes. Tu vois? Hein? Hey, Jeff! Je crois que j'ai une piste. J'ai fouillé le passé de tout le monde, le père de Kimball, la sœur, les autres médecins, les amis proches, d'accord? Alors, sur le mandat d'origine, j'ai demandé qu'on me signale tout comportement Philippe, suspect. Philippe, je t'en supplie, trouve-toi un passe-temps. Regarde ça. Maggie Kimball Hume. La sœur divorcée, deux enfants, enseignante avec un ex-mari qui lui file pas un copec pour boucler les fins de mois. Il se trouve qu'hier, la dame a retiré $1,000 de son plan d'épargne. Ça lui coûte $120 de pénalité et elle roule pas sur l'or. Tu sais ce qu'elle a fait de l'argent? J'ai ma petite idée là-dessus. Le Camelot, j'écoute. Bonjour, monsieur Johnson, s'il vous plaît. Ah, il a réglé sa note.
Il n'aurait pas laissé un numéro où on puisse le joindre? Ici, c'est un hôtel, pas les renseignements. D'accord, vieux? Je me permets d'insister parce que c'est important. Nous lui devons une somme d'argent assez conséquente pour son bras. Continuez. Je fais partie d'une branche annexe de l'administration sociale, la caisse d'allocation et d'indemnité aux personnes invalides. S'il vous rappelle, demandez-lui de nous contacter. Il pourra me joindre au 888-555-0100. Dites, à propos des indemnités en question, il faudrait qu'on en parle, un de ces quatre. Je crois que moi aussi, j'y ai droit. Eh bien, vous pouvez vous adresser à la caisse dont vous dépendez ou nous appeler à l'occasion. Vous avez bien noté notre numéro? Oui, je viens de le noter, mais les indemnités, ça concerne quoi? Les accidents de travail, par exemple? Oui, entre autres. Écoutez, si Johnson téléphone, je lui transmettrai le message. Puis je vous contacterai et on pourra discuter de mes ennuis. D'accord, merci infiniment. Abruti. Pardon. Je ne savais pas que vous étiez là. Je ne voulais pas vous faire peur. C'est pas grave. Où est Garrett? Au travail, il a dit qu'il rentrerait tard ce soir. Ça n'a pas l'air d'aller? Si, si, ça va. Si vous avez envie de rester seul, dites-le-moi, je vais faire un tour. Venez, venez là. Asseyez-vous. Vous voulez, vous? Non, je viens de les prendre. Il faut attendre quelques minutes avant que ça agisse. Pourtant, j'ai gagné un concours de danse. On ne croirait pas, hein? C'était il y a 3 ans à peine, avec Gary. Si mon corps était devenu mon pire ennemi. J'ai plus aucun contrôle sur lui. Tous les matins, le même cauchemar. Jusqu'au soir, je donnerais tout pour revenir en arrière. Je sais ce que c'est. C'est fou ce que vous me faites penser à Gary. Le même genre d'homme, toujours prêt à aider. C'est déprimant de savoir qu'on ne peut rien faire. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais rester seule. Je comprends. Du 1957, Lakeview Terrace à Deerfield. Localisez-moi l'appel, quel que soit l'interlocuteur ou la provenance, sûrement d'une autre ville. Je veux une adresse aussi précise que possible, et vous avez intérêt à mettre les bouchées doubles. Non, c'est trop risqué. Je ne veux plus que tu m'attendes dans cette cabine. On arrête de s'appeler, Maggie. Je refuse de vivre encore 3 mois dans l'angoisse. Il faut que tu me donnes de tes nouvelles. N'insiste pas, c'est trop dangereux. Tu sais ce que ça représente comme risque pour toi, les enfants. J'en ai rien à faire. J'ai juste besoin d'entendre ta voix. Débrouille-toi comme tu veux, mais appelle-moi. J'essaierai de te donner des nouvelles. Mais pas ce numéro. Va falloir que je te laisse. Non, ne raccroche pas. Je sais que tu es innocent. Je serai toujours de ton côté, quoi qu'il arrive. Je suis persuadée que ça va s'arranger. Papa aussi garde espoir. Tu lui manques, tu sais. Comment il va? Mieux, je crois. Sauf qu'il s'énerve parce que les médecins n'arrêtent pas de dire. Enfin, tu les connais. Une bande d'incapables.
Sauf mon fils. Tu lui diras que je... C'est promis. Le suspect s'appelle Richard Kimball. Il est peut-être un peu... Faut que je te laisse. La police de Savannah a repéré ton fugitif. Tu veux bien répéter ? Ils ont retrouvé Kimball. Dégagez le passage. Poussez-vous. Un message à Miami. J'aimerais savoir comment vous avez eu mon nom. Vous pourrez me contacter au 900. Je vous rappellerai. A laissé un message sur la boîte vocale, mais il a oublié de me laisser son nouveau numéro. Et je me demandais s'il existait un relevé ou un moyen quelconque de retrouver le numéro d'où mon frère m'a appelé. Oui, je peux jeter un coup d'œil à votre modèle ? Quelle merveille ! Ça partait comme des petits pains à l'époque, et ça au moins c'était du solide. Vous devriez l'offrir à un musée. Vous n'en voulez pas un autre ? Ah, si. Oui, pourquoi pas. Mais ce numéro d'où mon frère m'a appelé... Ah, c'est vrai. Eh bien, d'un point de vue légal, ça pose un problème d'éthique. Je ne suis pas censé avoir accès à votre compte. Une histoire de protection juridique. Et évidemment, je pourrais le faire, sauf que... C'est le patron. Mais laissez-moi votre numéro et je vous rappelle. Entendu. Sam. J'ai l'impression que ça va pas du tout. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est la maladie ? Je ne crois pas, non. Brie, vous m'entendez ? Oui. Vous avez pris quelque chose ou mangé quelque chose auquel vous êtes allergique ? Non. Désenflé.
Ça lui était déjà arrivé? La première fois, c'était il y a une semaine. Je trouvais pourtant qu'elle allait mieux. Je t'ai ressorti tous les dossiers médicaux. J'ai repensé à ce que tu nous as dit l'autre jour. Sur les nouveaux médicaments qu'il proposait des gens de tester. Oui, dans les programmes de recherche. Au début, quand on a su ce qu'elle avait, on a essayé de l'inscrire. On a rempli des centaines de dossiers et de formulaires. Je croyais que dans notre situation, ce serait accepté d'office. Mais ils l'ont mis sur une liste d'attente. Au bout d'un moment, elle en a eu marre d'espérer. Elle a dit stop. Ce que je peux comprendre, c'est elle qui est malade. En plus, à l'époque, j'en voulais tellement à la terre entière que je faisais n'importe quoi. Tu veux pas que je t'aide à remplir le formulaire? Je sais comment marchent les hôpitaux, le genre de profil qu'ils recherchent pour les tests. C'est un drôle de hasard quand même, comment on s'est rencontrés. Et maintenant ça. Plus ça va, plus... j'ai honte de moi. Tu aimes ta femme, tu ferais n'importe quoi pour elle, il n'y a pas de quoi en avoir honte. On s'y met? Bienvenue dans le monde impitoyable de l'univers hospitalier. Ne compliquez pas les choses et ce sera vite réglé. Ma cliente n'a pas à se justifier d'avoir parlé à son frère depuis un téléphone public. Non, en effet, c'est légal. Ça, par contre, ça l'est moins. Elle a pris de l'argent sur son compte d'épargne et a payé des pénalités à la banque. Où est le problème? Pourquoi aviez-vous besoin d'une telle somme? Pour acheter de la drogue à mes enfants. Vous ne me croyez pas? Je crois que vous voulez que votre frère reste en vie. Et que vous n'avez pas compris qu'il n'a pas la moindre chance, tant qu'il est en cavale. Dites-moi où il se cache. Lieutenant, vous perdez votre temps. Vous pourriez me menacer avec un flingue sur la tempe que je vous dirai même pas quel jour on est. Eh bien, dans ce cas, prévenez vos collègues parce qu'on va se voir souvent. C'est drôle. Tout le temps du procès, vous étiez tellement catégorique. Comme s'il fallait que vous soyez dans le vrai. Et j'avais envie de vous demander pourquoi. Pourquoi vous vouliez tellement avoir raison. Et comment vous pourriez vous regarder en face s'il plantait cette aiguille dans le bras de mon frère et que vous aviez tort. Ce qu'il veut dire? Qu'elle est scotchée au téléphone dans sa chambre. Tu as eu une dure journée. Ouais. Dis-moi. Allô? Monsieur Davis? Ouais. Bonjour, c'est Floyd du magasin. Floyd, oui. Alors, vous avez récupéré le numéro? Ah oui. Vous avez un stylo? Ouais. Allez-y. Il a appelé du 912-555-0180. C'est noté, merci. Floyd, le prochain portable, je le prends chez vous. Il y a intérêt. Ça
Ça fait une semaine que vous en prenez. Ceci explique l'espace, mais la chute de cheveux. Vous y allez petit à petit pour qu'il s'en rende pas compte. Moi aussi, j'ai envisagé de tout laisser tomber. Mais au moins, votre corps est en vie. Le mien est mort. Il refuse de marcher, de courir, de danser, de faire l'amour. Si c'est tout ce qu'il me reste, je préfère arrêter. Vous pensez à Gary? J'ai perdu ma femme. Et si vous pouviez ressentir ne serait-ce qu'un dixième de ce que je ressens tous les jours, parce que je sais que je la reverrai jamais, vous ne feriez pas ça pour lui. Salut. Salut. J'ai rempli les formulaires et je les ai mis dans une enveloppe. Tu veux que... je les poste en partant. Fred Johnson, s'il vous plaît. Une seconde, monsieur. Désolé, ça ne répond pas. Hôtel Magnolia. Je voudrais le room service. Room service? Oui, c'est monsieur Johnson. J'aimerais qu'on me monte des serviettes propres. C'est pas moi qu'on recherche. Vous avez demandé à la police. Quel est l'objet de votre appel? Ici police secours. Quel est l'objet de votre appel? Ici police secours. Quel est l'objet de votre appel? Vite! Aidez-moi, il essaie de me tuer! Ah!
je crève, tu crèves. Savoir que votre demande a été acceptée et que vous pourrez participer au programme de recherche de l'Université de Chicago. Tous les frais seront pris en charge. Brie. Voici l'homme qui a tué ma femme.